Bonjour et bienvenue dans Windows me déconnecte des périphériques et je sais pas lequel vu que rien n'est déconnecté visuellement. Ah, pas grave. Mais à part ça, on est aussi dans Isaac parce qu'on est multitâche et on va essayer d'aller tuer Isaac parce que le jeu porte son nom, il doit donc mourir. Olé. Sans déconner, on va jusqu'à la cathédrale. Par contre, si on pouvait juste ne pas... Ah, sérieusement, mais il est... Pourquoi il sort pas de son trou, là? Oh là là. Déjà, il commence à m'énerver, ce jeu. Et ça, c'est cool. Bon. Et ça, c'est cool aussi. C'est un petit damage up, ça fait jamais de mal. Ok, j'aurais voulu qu'il me pète pas dessus, mais qu'il pète sur les peaux, mais... Vous savez quoi? Ils ont décidé de me faire mal, tant pis pour eux. Donc, on va encore faire une ou deux salles, parce qu'on a le temps, c'est pas par là. Super, les cœurs rouges ne servent à rien avec le début. On va tuer ce boss. Mini boss par ailleurs. Sérieusement, voilà. Et on a très bien fait. À moins que ce soit relax, pas grave. On a très bien fait de tuer ce boss parce que ce deal est gratuit et c'est Krampus. Ok. Ça ne tourne pas. Ça ne tourne toujours pas. Et il est mort. Et on va prendre ça. Alors c'est bien parce que ça veut dire qu'on n'aura pas Krampus dans les autres deals. Et franchement, vu la merde, le truc inintéressant que c'est, ça fait plaisir. Et famine, ça fait plaisir aussi. On va vite aller chercher la batterie, elle est juste là. Non, ça fait plaisir parce que Mom avec un orbital, c'est toujours plus sympa. À part Mom bleu, mais bon. Le jeu va pas nous faire ça, n'est-ce pas? Allez hop, 100% de chance de deal. Tout ce qu'on a à faire, c'est de conserver, c'était pas fantastique mais c'est pas grave, d'avoir plus de 3 cœurs, on pourra prendre un item. Pour peu qu'il y ait un item. Toi, tu meurs. À cet étage, il n'y a pas encore de transformation en bonnie pour eux, hein, rassurez-moi. Zéro bombe. On va pas utiliser Head of Krampus sur ça. Pas de clé. Ah ah ah. Ça c'est plus embêtant. Pas de clé, c'est encore embêtant. Ce daily prend une tournure rigolote. Genre on est sous là. Sûr d'avoir un deal, donc ça va, c'est cool. Ah ah. Avec ça, je peux prendre une bombe. Le centime m'intéresse pas des masses, hein. Yera. On en est au stade où je serais prêt à Yera une clé, quoi. Ou un cœur. Ne me demandez pas comment on s'en est sorti sans dégâts. On l'a fait. C'est tout. Eh. Je pensais qu'il se serait mis à tourner Krampus. Saltoid, parfait. Et oh yes. Je prends lequel? Allez, franchement, on a déjà Cube of Meat. Donc je prends le vol. Ce qui me met dans une situation bien merdique en termes de vie. Et j'aurais bien aimé avoir l'item room, mais peut-être qu'il y a la salle secrète qui est à côté. Peut-être. On vérifie. C'est possible. C'est le cas.
Sérieusement, casse, 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 casse. Oh là là, allez. Ça va marcher au bout d'un moment. Super. C'est pas si mal, hein. Mais... ça, c'est nul. Mais bon, on pouvait pas aller dans le magasin de toute façon, donc c'est pas grave. On a un demi-cœur. Et c'est pas bon. Mais on vole. Et c'est bien, mais si on meurt, ça ne sert à rien. On va être extrêmement prudent. On a aussi Spectral Tears grâce à Spirit of the Night. Oulala. Là là. Le knockback, c'est bien. Surtout quand on n'a pas de vie. Ouh, shit. Eux, ils peuvent sauter. N'importe où. Non. Regardez la pièce, c'est plus de points. Le gars, il est à deux doigts de la mort. Il s'inquiète de son score. Super. C'est là que ça s'est décidé de tourner. C'est pas grave. On peut pas aller voir le boss maintenant. Genre on a... non. Il nous faut un peu plus de vie que ça. Ne serait-ce que si on a un deal pour qu'il serve à quelque chose. C'est une clé, c'est bien pour l'item room. Oulala, 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 oulala. Ouh, j'aime pas ces ennemis en conjonction. Non. Ok, on va juste les laisser s'éloigner un peu. Non. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'araignées. Peut-être une en bas. Toi, tu exploses. Et toi aussi. Non, c'est bon. Je suis pas stressé. Spider Baby. Totalement... Il faudrait que je la fasse, la salle de combat. Mais là, j'ai peur de mourir. Et il n'y a pas un cœur qui a drop hein, depuis le début. C'est pas fantastique tout cela. Et drop-moi des cœurs. Je serais prêt à yera un cœur là. Non, bien sûr. On va faire la salle de combat, je veux dire. Je vais pas yera le coffre, mais. Super. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que cette première vague n'est pas dangereuse. Et la suivante, pas trop non plus. Encore que. Et la suivante, ce sera quoi? Je ne sais plus. Pas dangereux non plus, pour peu que je sois un tout petit peu attentif. Et je vous assure que là, je vais l'être, attentif. Mais sérieusement, pas un cœur. Alors oui, je peux entrer dans le magasin et il y a sûrement de la vie dans le magasin, je l'espère. Mais quand même, quoi. Et on a perdu combien de temps sur Cave Zone? Il y a de la vie, 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 il y a de la vie. Ok, bon, il y aura... Tac, tac, c'est quoi la pilule? Tears down, fantastique. Moi aussi, je t'aime pas le jeu. Du coup, on va pas acheter l'autre, mais on a un peu de vie. Pas assez pour faire un, pour prendre un deal, mais... un peu. Et là, il y a... fantastique. Gordy Junior. Merci, Adolf Campus. Merci, Gordy. Merci, HP Up. Ouf, on est beaucoup mieux d'un coup. On est pas vraiment en avance pour Boss Rush, mais on est mieux. Ouf. Vas-y, explose. Ça fait toujours plaisir. Alors on pourrait croire que je serais tenté, maintenant que j'ai un peu de vie, d'utiliser Cube of Meat agressivement. Non. Je rappelle aussi que si on tombe sur une salle du sacrifice dans la cathédrale, on pourra vouloir... Putain, il en a fait deux.
pourra vouloir la jouer. Oui, j'ai utilisé Cube of Meat. Il faut pas, je sais. Bref, suivant. Bip. Qui fait du creep. On s'en fout, on vole. C'est risqué d'utiliser Cube of Meat sur lui parce que Side Box est un peu aux fraises. Mais c'est pas grave. Il a fait le deuxième œil et il va nous toucher là. C'était plus ou moins couru d'avance. Les yeux, les yeux! Non, non, casse-toi les yeux, casse-toi les yeux. Ok, on arrive à passer et on le tue, c'est bon. Non, les yeux, ils sont pas du tout harcelants. Super! Pas du tout harcelant. Ok, on a perdu bien du temps. Même pas mal. La salle secrète peut être en dessous. Il y a même de bonnes chances qu'elle y soit. Ouais, elle est là. C'était évident. Olé. Non, pas la peine. Je suis pas sûr qu'on puisse... Ah, on a pas de bombe. Damned. J'allais dire, je suis pas sûr qu'on puisse entrer dans le magasin pour tuer le shopkeeper là-bas. Mais là non plus, on peut pas de toute façon, donc... ça règle un peu la question. Sérieusement. Combien de fois est-ce que je peux rater le même bounty, quoi? Je vais tuer le shopkeeper du... de la salle secrète. Chance de deal. Augmenter. Ouais, 5% c'est pas énorme, mais des fois on est super haut, ça nous donne pas quand même, donc l'un dans l'autre. Ok, campus qui tourne toujours quand on veut pas. C'est pas grave. Ah. Soyons francs, je vais pas jouer Undefined. C'est trop random déjà. Il y a trop peu de chances que ce soit utile. Head of Campus, au moins ça fait bien mal à l'occasion. Bad trip, fantastique. Parce que j'avais une chance d'avoir un item dans le deal et là non. Merci le jeu. Oui, j'utilise Head of Campus pour gagner du temps. Qui aurait été plus utile dans cette salle par exemple. Y a pas de vie, yada yada yada. On va prendre ça, c'est moins cher, c'est cool. On va prendre ça et ça et ça. Ça va être qui là? Burgling. Bon, Red Off en plus qui décide de tourner, faire chier le monde. C'est raccord avec le thème du jeu en même temps, hein, on va pas trop se plaindre. Et on peut rien prendre parce que je suis descendu trop tôt, trop vite. Et ça c'est DHP. On peut prendre quelque chose, ce sera ça. C'est bien. C'est pas mauvais. Mais c'est pas génial non plus. Blue Cap, Tears Up. Merci. Guppy Scholar, on va pas espérer que ça marche. Hein. On va pas espérer que ça proc. Mais bon, on l'a, donc c'est toujours ça de prix. Allez. Nope. Humbling Bundle, c'est pas mal par contre. Ça pourra bien nous être utile. Salut. Et salut. Allez, un truc bien. Oui. Du coup, The Magician, on peut la brûler. Hein. Spoon Bender. Plutôt bien. Ça. Oh, des clous magiques. Après la balle magique, le clou magique. Non, sérieux, Spoon Bender avec... Spectral Tears, c'est excellent parce que ça s'arrêtera pas sur les cailloux. Boum,
Voilà, on est efficace. Voilà, on est très efficace. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Oh. Super. Pas des ennemis chiants, ça. Suivant. M'en fous, j'ai Spoonbender. Sérieux, il a encore sa tête, lui? Ah, là, Spoonbender, moins utile. Quoique. Il va charger, lui il va charger ou pas. S'en fout, il va mourir. C'est bizarre, ils m'ont pas attaqué. C'est normalement ils. Oh là. Désolé, j'ai perdu une clé. Normalement ils chargent sur nous. Là ils ont pas l'air d'avoir voulu quoi. Et. Oh sérieux. Bien. Tout ce qui peut donner des points, c'est bien. Et de l'argent. Ok, je suis pas sûr que ça soit utile. C'est quoi, on va prendre ça. Je préfère ça à. C'est quoi ça? On verra maintenant. Je préfère Jar of Fly à Head of Krampus. Plus contrôlable. Puis quand il y a des adds, au moins ça sert à quelque chose. Jar of Fly, si on le place bien, on peut s'en servir plusieurs fois dans les salles avec beaucoup d'adds. Alors que Head of Krampus, s'il se met à tourner, il nous ruine le truc. Sérieusement. Voilà. Non mais. Meurs. Vous aussi. Bien, on a presque de quoi se prendre un deal. Fantastique. Non mais attaque, vas-y, y a pas peur. Je sais que t'aimes ça. Dommage. J'aurais bien préféré que ça mette un cœur plutôt qu'un ennemi en plus, mais. Après, on va pas avoir de mal sur lui, hein, honnêtement. Là, on est parti pour le tuer. Hein. Sans trop de difficultés en plus. Voilà. Pas de deal. HP up. Il n'y a jamais de cœur rouge avec Blue Baby, donc c'est cool. On pourrait même tenter la Cursed Room. On va juste voir si on peut y aller là. Non. Parce que j'ai pas envie de me faire de prendre des dégâts. Je sens que ça va me coûter cher plus tard. Hein. Et mais vous servez à rien, vous. En fait. Allez, on a 16,50, on peut. Si on trouve Mom assez vite, on peut y arriver à Boss Rush. Arriver à Boss Rush. Et on peut y arriver, on peut arriver à Boss Rush. Super. Pète-moi un crâne, allez, pète un crâne, vas-y, pète un crâne. A pas peur. Et oui, je suis intouchable. Pourquoi pas? Un CDHP, hein. C'est toujours bien d'avoir des HP. Alors, je rogne un peu sur le bonus d'exploration, mais au moins je vais choper Boss Rush cette fois, quoi. Alors, je pense être dans la bonne direction, peut-être. C'est pas exclu. Non, je préfère l'autre truc. Ah, on va pas assez vite? Sérieusement? on a le temps de faire encore quelques. On va vraiment pas assez vite. On a le temps encore de faire quelques salles, dont le magasin. Pour le coup, avec 34 centimes, ça peut être intéressant. Ça ne l'est pas. Super. Tu veux crever? Parce que c'est comme ça que ça. Oh! C'est comme ça que ça se fait. Tu me tires dessus, tu crèves. Ah, on avait le The Hermit aussi, c'est un peu gâché là.
Allez, après ça, on va... Putain, 18-26. Ça passe à une vitesse, les minutes. À peu près au rythme d'une par minute, quoi. C'est incroyable. Sérieusement, on fait 6 peu... On fait 7, quand même. C'est pas énorme, mais... J'aurais pu penser qu'on tuerait ses ennemis là plus vite, quoi. La carte, c'est The Fool. Pas utile, mais en même temps... Ah, attendez, est-ce qu'on peut prendre ça avec Deep Pocket? Non. Deep Pocket, ce n'est que pour les cartes. Aïe. Je savais que ça allait faire mal, mais j'y suis allé quand même. Allez, on fonce. Gnome rouge. Ça veut dire qu'on va pouvoir abuser de Cube of Meat si on arrive à se placer correctement. Un œil. Sérieusement. Et c'est maintenant qu'on peut le faire facilement qu'elle décide de mettre tout le temps l'attaque avec l'œil, quoi. Qui est insupportable. Voilà. Non mais oh. Pas nous faire chier, ouais. Est-ce que ça vaut le coup de prendre ça? C'est de la vie. Oui. Je pense que ça vaut le coup. Alors, D6 ou le Steel Blood qu'on va prendre, ou d'autres trucs. Pourquoi on prend ça? Parce qu'on fait boss rush là, les gars. C'est littéralement ce qu'il nous faut pour être efficace. Je veux dire, plus on va tuer des trucs, plus on va faire mal dans l'étage ou dans la salle, je ne sais plus. Mais dans les deux cas, vu qu'on sort pas. Et s'il y en a un qui a la bonne idée de faire des ZAD, ça nous aidera. Faut juste pas activer notre carte par accident. Bien. On en est à 11.6 de dégâts. Toi, sors de ton trou, merci. Il peut pas nous toucher de là où on est, hein, pour info. Nous, on peut à peine le toucher, mais... Lui, il peut pas. À cause du knockback, ça le pousse un peu, mais... Non, non. Putain, on fait si peu mal que ça, attendez. On est à 11, on a du mal contre cet ennemi-là. Je suis pas d'accord. Ouais, monstro. On va s'occuper de lui avant... Sérieusement. Oh... Ah non, mais j'étais obligé d'éviter la troll bombe à un moment, les gars. Ah, c'était pas chic, ça, de synchro des ennemis. Ok. Alors normalement, je devrais m'occuper en premier de Mr. Caca. Mais comme je peux me mettre à l'abri sur les cailloux, on va s'en occuper en deuxième. Voilà. Et concrètement, il peut pas vraiment être un danger pour nous. Sauf s'il se met à faire ça. Même ça, à la limite, ça va. Par contre, qu'est-ce qu'on met du temps à faire boss rush? Oh, c'est grave, hein. Là, je pensais pas qu'on serait aussi inefficace. On va s'occuper du boss qui est facile à tuer. Carrion Queen. Boum. Si on peut la balancer dans les pics, ce serait génial. Voilà. Ok, donc on est loin, loin, très loin d'avoir fini. Ok, alors les ennemis qui peuvent voler et qui se mettent d'accord pour me tomber dessus de tous les côtés quand je suis sur les cailloux, je l'ai jamais vu. Mais apparemment ça arrive. Alors c'est vrai que c'est moi qui me suis dit que j'étais à l'abri, donc j'ai pas trop esquivé. C'était rude comme placement quand même. Sérieux, 11.6 c'est notre maximum avec le Lusty Blood. C'est pas génial, hein. J'aurais peut-être dû garder Jar of Fly pour le coup. Encore que là, ça nous permet de rester en vie, c'est pas mal. Oh, le caca rouge.
Ouais, j'ai utilisé Cube of Meat pour recouper mes pertes, mais bon. Sérieusement, sur Chubb, on a du mal. C'est quoi ce délire? Et on peut pas faire aussi mal que ça et galérer sur Chubb, c'est juste pas possible. Frail. Évidemment. Frail qui balance de la brimstone alors que tous ses collègues continuent d'exister. Encore un. Oh, un cœur. Coucou le bébé. Ouais, alors le prochain deal with the devil, il a intérêt à être très très efficace en termes de dégâts. Parce que là, ça va pas aller. Je serais pas contre un petit money et Quell's Power aussi. Je suis en train de me dire. T'as 25 minutes, on va jamais arriver à Hush après quoi. C'est terrible. Au niveau score, c'est une catastrophe. Parce que non seulement on va rater Hush, c'est la double peine en fait. Parce que non seulement on rate Hush, mais en plus on a la pénalité de temps parce qu'on galère ici quoi. Il peut me tomber dessus sur les cailloux. Bien sûr, pourquoi pas. N'importe quoi. Les ennemis qui sont sur le sol peuvent pas aller sur les cailloux d'habitude. C'est le principe. Là, les ennemis qui font des explosions, peut-être. C'est leur droit. Mais les autres, non. Oh là là, pin. Je pense, ouais. Vas-y, viens toi, charge dans les pics, charge dans les pics. Il est mort. Il va charger dans les pics. Il le fait, hein, c'est, il est très con. Hein. Par contre, on a eu pas mal de charges dans notre bouquin. On doit pas être loin de la fin. J'espère. Loki. Loki qui ne sera jamais une menace. Même avec Mom's Knife, Soy Milk. Ça reste Loki, quoi. Destiné à crever. Et on prend ça. Donc on a passé beaucoup trop de temps ici. Et les dégâts sont partiels pour le Steel Blood. Il faut le savoir. Ok, donc là maintenant il faut absolument speeder si on veut choper Hush. Et pas faire ce genre de sale pour rien. Et je viens de la faire quand même, je sais. Ça rapporte des points. J'aurais dû même le laisser faire des adds pour avoir plus de dégâts quoi. Loki. Et après je pense que ce sera 3 Larry Junior. Dans la plus pure tradition de cet étage. Voilà, et maintenant. Et ben non, c'est Fistula. Dans la plus pure tradition de je sais pas ce que je raconte. Ouh, l'œil qui va passer par dessus, ça va être sale. Non, non. Voilà. Ça pour rien, pour quelques points, certes. Alors là, par contre, c'est pour rien. Oh, ils ne battent pas bien. On n'a plus Adolf Campus, je vous rappelle. Ok, ne me demandez pas pourquoi on s'est pas fait toucher. Moi, je ne fais que prendre ce qu'on me donne. Oh, on est là pour rien. Cube of Meat, Cube of Meat, Cube of Meat, Cube of Meat. Cube of Meat. Ouf. On va vraiment se faire toutes les salles qui servent à rien en cul-de-sac. Non, parce que... Screw this shit, quoi. Ah non, c'est bon, là, il y a quelque chose. On n'est pas venu totalement pour rien. Et il y a peut-être même la suite du jeu. On va savoir si ces ennemis pouvaient juste mourir. Non, j'irai pas dans la Cursed Room. Oh là là.
On a super bien géré cette salle. C'est un peu comme si je me lançais des fleurs, mais faut avouer que là c'était pas mal. Entre les bombes à esquiver et les tirs de brimstone. Par contre, 28 minutes, womb 1, on n'a pas toujours une seule idée d'où est le boss. C'est pas bon. C'est très pas bon. Dites-moi qu'il est par là. Merci, Flipper. Sérieusement, c'est quoi cette salle de 15, cet étage de 15 km? Eh ben. On a fini par. Cube of Meat, c'est quand tu veux que tu sers à quelque chose. Ok. J'aurais pas dû faire ça, mais. Oh, scheisse. Juste lui. Avec ses yeux à la con. Eh, il me protège des yeux, c'est cool. On est peut-être dans la seule. Oh oh. Dans la seule configuration du monde où c'était intéressant de l'avoir sur nous. Hop, hop, hop. Pas de deal. C'est pas grave. On a moins d'une minute. Beaucoup moins d'une minute. Pour trouver. Magique, magique. Moi je dis c'était vachement utile d'avoir utilisé la carte là. Donc on a 40 secondes pour trouver et tuer 8 lives. J'aime autant vous dire que ça sent le pâté pour Boss Rush, pour Hush. Oh là là, cette salle. En plus j'ai pas un cœur gris en tête, donc si je me fais toucher ça ne fera pas de dégâts. Je pourrais utiliser des bombes. Quelles sont les chances que je sois dans la bonne direction? C'est ça qu'il faut estimer en fait. Allez, on va aller par là. C'est pas la bonne direction. Ouais, 10 secondes, non, c'est foutu. C'est foutu. Pas de hush. Clairement, pas de hush, vu la tronche de... Mais allez vous faire foutre. Vu la tronche de l'étage. Voilà, 30... Ah, salle du sacrifice. Après, la salle du sacrifice... Il faut réfléchir attentivement parce que voilà parfait parce que si on va faire ça si on fait pas hush, la cathédrale c'est juste un étage normal et donc si on finit cet étage là et qu'ensuite on va se sacrifier pour aller dans la dark room ça fera on aura au moins le bonus de The Lamb qui fait plus de points qu'un étage normal. Ok, le caca qui pète pas à la troisième larme, ça me rend... m'énerve. Enfin, la morale de cette histoire, c'est... On va faire tout l'étage. Battre 8 lives, voir si on peut prendre un deal with the devil intéressant. Et boum. Et boum. On manquera pas de bombes au moins. On va pas les prendre avant d'avoir épuisé les 15 autres, hein, pour maximiser le bonus de points. Infamie, c'est toujours sympa, même si on est près de la fin. Tant qu'on n'est pas à la fin, ça reste sympa. Ansous, vision, parfait. Et The Fool qui nous permettra de gagner un peu de temps sur le retour. Sérieusement, on fait si peu mal que ça. Quand on met du temps à tuer ces ennemis là quoi. C'est quand même dramatique. Je rappelle qu'on peut cramer de la bombe, hein. On a 99 bombes derrière. On finira full bombe, y a pas de problème. Ou pas loin. Aïe. Ça c'est pas bon. Loki. J'ai failli utiliser Cube of Meat sur lui. Sur la bombe fly, ça aurait été gênant. Ça, arrête de faire des bombes fly quand je m'approche. C'est pas chic. Charge. Ah ouais, le savoir qu'on peut cramer les bombes, c'est cool. Sérieusement. Ben d'ailleurs. Voilà.
gagne un peu de temps avec tout ça. Full life, je sais que j'aurais pu économiser la batterie, que j'aurais dû, vu que j'envisage un sacrifice. Mais là, je suis en mode speed. Vous savez, comme le bus. Speed. Ça, c'est pas de la référence jeune, hein. Ouh, ah, le tir en étoile. En croix. Évidemment. Parfait. Bertro. Bercano. On va la cramer tout de suite. Blancrune. Bercano qu'on crame tout de suite. Et Ewaz. Et où est-ce qui permettrait d'aller dans Sheol? Ce qui n'est pas très intéressant dans le contexte. Donc on a quoi? The Fool et Pertro. On va peut-être faire Pertro Blancrune, des fois que. Si le deal se reroll. It's lives, hein. On y va. On y va, on y va, on y va. On devrait le tuer, mais j'ai juste peur qu'il me fasse pas la version spéciale de Fistula dont je me souviens plus là. Teratoma. Parce que ça, ce serait chiant. Meurs, meurs, meurs. Pas de deal, sérieusement. Oh là là. Oh, ça me gâche un peu quand même. Donc j'ai rien pour faire perdre au-dessus. Il y avait quoi dans le dans la salle secrète là? Puis il y a une salle qu'on n'a pas faite encore d'ailleurs. Effectivement, on n'avait pas fait cette salle. Ça méritait bien. Donc, on avait quoi là-dedans? Ah, ça. Est-ce qu'on perd trop ça pour essayer d'avoir un truc cool? Non, ça fait tellement de points. 2000 points, c'est pas si mal. Bon, maintenant, salle du sacrifice. On va voir ce que ça donne. Pas de tinted rock, hein. Aïe! Super. Aïe, ça fait deux. Ça fait trois. Mercano, fantastique. The Tower, moins fantastique. Quatre. On est obligé d'attendre à chaque fois. Je pourrais ressortir, mais j'ai pas envie. 5, on est blessé, fantastique, on aura peut-être un ange. 6, on a un ange. Et c'est pas si mal parce qu'en plus, The Body c'est du HP. Oh, j'aurais peut-être pas dû prendre The Body. Encore que si, parce que j'ai vraiment besoin des HP pour le sacrifice, mais... Non, ça c'est nul. Bon, tant pis. C'est nul, mais c'est pas si mal. Allez. 7. Merci. Vite. Ok, ça c'était prévu. 9. Ça c'est juste chiant. On va le tuer parce que c'est pour le fun, quoi. Ok, il est pas mort. Je pensais. Non, c'était pas la bonne. Zut. Ah, puis en plus ça dure là. C'est. Ouais, c'était la ruine de protection. 10, fantastique. On va plus avoir de vie pour le. 11.
Bon, alors lui par contre il est super tendu à tuer, donc voilà. Et 12. Tour de magie. Et que nous réserve la Dark Room? De la chance. Qui se traduit par un petit cœur. Deux autres petits cœurs. Et des araignées, pourquoi pas. On va pas prendre Bad Trip, ça ne sert à rien. Ouh, j'aime pas cette salle. J'aime pas cette salle, j'aime pas cette salle, j'aime pas cette salle. Allez, voyons voir. Ouh, j'aime pas ça non plus. On va se faire toucher parce qu'on va pas assez vite. Non, si, peut-être. Je ne sais pas. Ah oui, carrément, il y en avait de partout là. Ok, alors on a les deux chevaux qui sont dans le, en sens inverse l'un de l'autre. C'est fantastique. Et on va abuser de Cube of Meat si on peut. Non, on peut pas. Parce que ces abrutis, ils ont... On peut pas pousser Death. Il est trop fort. Et du coup, on ne pouvait pas le pousser pour être du bon côté de lui avec Cube of Meat. Ok. Aïe. Sérieusement, même en ayant Cube of Meat sur eux pendant toute l'invincibilité, on n'arrive pas à faire assez de dégâts pour les tuer. Bullshit. Là je dis bullshit. On peut pas faire si peu mal que ça à ce stade du jeu, c'est pas possible. C'est vrai, on tire pas vite et on fait pas mal partir, mais à part ça. Non mais sérieux, je vais pas mourir ici quoi. Lui au moins on devrait arriver à le tuer, c'est un ennemi du premier étage. J'aime bien comme Spoonbender n'a servi à rien sur cette partie parce que les ennemis étant hors de la zone, hors de la room, collés au mur, ça ne les touche pas. Ça ne les vise pas du tout. Sérieusement. Ok, c'est vrai qu'on a ça. Oh là là, ouh là là, ouh, je sens le drame. Ça sent le drame. Aïe. Oh bon sang, je sens qu'on va pas finir serein. Pas vivant en tout cas. Ouh, ah oui, bien sûr. The best room ever. Pour quelqu'un qui n'a plus de vie. Quadruple cage. Dans une petite salle. Oui. On va aller ailleurs. On va essayer de trouver. Tenter sa chance ailleurs. Quadruple cage. Non mais. Même si c'est une version qui a moins de vie, on fait pas mal. Ah, c'était une mauvaise idée de venir ici, carrément. La mauvaise idée du siècle. Sérieusement? Ouais, 30 000 points, on verra ce que ça donne. Je le mettrai en ligne parce que bon, je suis allé au bout quoi, mais... C'était lamentable. Allez! A plus. Ah, je suis un peu gâché là.